Si toi aussi t'es un non essentiel, on te dédicace ce poème. Parce qu'on sait qu'au fond de tes yeux tristes, il reste peu de brins d'optimisme. Et les gars, faut faire la part des choses. On dit pas qu'il faut pas faire quelque chose pour soutenir le corps médical. Mais elles sont dures ces mesures gouvernementales. C'est l'hymne des non-essentiels qui trouve quand même un peu cruel d'être à l'arrêt, de devoir fermer, de se sentir si inconsidéré. Pas de boulot, pas de revenus, mais des stocks à perte de vue. T'essayes de te mettre au click and collect. Ce contact humain mangé par internet. Tu dors plus la nuit, tu te lèves plus le matin. T'aimerais pouvoir faire quelque chose de tes mains. Tu as mis toutes tes tripes dans ce magasin. Et aujourd'hui il décide que tu ne sers à rien. C'est l'hymne des non-essentiels qui trouve quand même un peu cruel d'être à l'arrêt, de devoir fermer, de se sentir si inconsidéré. Pas de chance non plus si tu es coiffeur, esthéticienne, cafetier ou bien tatoueur. Pas de visio pour toi. Tu vis dans la peur de plus jamais pouvoir pratiquer le métier de ton cœur. Il va expliquer à nos lycéens, à tous les écoliers qu'ils ne risquent rien, et à leurs professeurs qui chaque matin se demandent combien ils ont croisé de porteurs sains. C'est l'hymne des non-essentiels qui trouve quand même un peu cruel d'être à l'arrêt, de devoir fermer, de se sentir si inconsidéré. J'ai rien contre les grands magasins et leurs employés qui n'y sont pour rien. Mais dans les petites boutiques aussi ça se passait bien. Distance respectée, masque et gel sur les mains. Avez-vous conscience tout là-haut au ministère de combien d'indépendants se retrouvent en galère? Y'a jamais eu autant de monde près de la misère, autant de dépression ni de genoux à terre. C'est l'hymne des non-essentiels qui trouve quand même un peu cruel d'être à l'arrêt, de devoir fermer, de se sentir si inconsidéré, de se sentir si inconsidéré. Et tiens, si on parlait du spectacle vivant, cette bouffée d'oxygène qui fait tant de bien pourtant. Eh bien aujourd'hui, l'art et le talent ne peuvent se partager que sur un écran. La richesse de ce métier, c'est le contact humain, les comédiens, les musiciens ou les magiciens. Sans oublier non plus les milliers de techniciens. Le futur de la culture est tellement incertain. Les non-essentiels se relèveront-ils demain? C'est l'hymne des non-essentiels qui trouve quand même un peu cruel d'être à l'arrêt, de devoir fermer, de se sentir si inconsidéré. C'est l'hymne des non-essentiels qui trouve quand même un peu cruel d'être à l'arrêt, de devoir fermer, de se sentir si inconsidéré.